Sous les dorures de son bureau, Roselyne Bachelot, concentrée, signe ses derniers documents en tant que ministre. Nous sommes le 9 mai 2012 et après 5 ans aux manettes, à la santé ou à la cohésion sociale, la voilà qui fait ses cartons et referme presque avec soulagement l'un des chapitres de sa vie, celui de la politique. Je vais avoir des journées plus calmes et je vais pouvoir me consacrer à l'écriture des livres, au combat politique, un peu à la musique, beaucoup. On peut toujours regretter de quitter le pouvoir, mais on n'a pas à regretter de quitter le pouvoir. Pas de regret, même 8 ans plus tard, lorsque dernièrement, dans l'émission des Grosses Têtes à laquelle elle participe régulièrement, ses camarades la taclent en lui demandant d'arrêter de regarder constamment son téléphone portable. C'est pas poli. Non voilà. Mais pardon, hein, Roselyne, c'est parce que je veux pas que vous alliez chercher les bonnes réponses. Ah non, c'est pas le genre, non, ça devait être une urgence, peut-être. Peut-être Macron qui l'appelle. Pardon, ça devait être une urgence, peut-être qu'un ministre qui l'appelle, un conseil à donner, vous savez. Peut-être oui, c'est peut-être pour devenir ministre. C'est pour ça qu'elle laisse son téléphone. C'est un cauchemar. Son jeu d'actrice semble crédible, presque parfait. À un détail près, c'est qu'aujourd'hui, la septuagénaire a finalement accepté de reprendre du service. Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. La culture, un rôle taillé sur mesure pour cette passionnée d'opéra, appréciée des musiciens populaires comme Bob Sinclair ou Roberto Alagna. On se connaît depuis des années, c'est quelqu'un qui est venu, qui est toujours venu en fan, qui est venu aussi en, comment dire, en ami, elle est venue un peu partout, voilà, c'est une grande passionnée de Wagner, c'est une grande passionnée de Verdi, nous avons beaucoup d'amis en commun, et voilà, je pense qu'elle est à sa place. Beaucoup de travail, mais des connaissances précises, car son histoire avec la musique, c'est une partition qu'elle annote depuis des années. Je n'ai jamais entendu Pavarotti sur scène, ça paraît incroyable. Oui, je l'ai entendu dans ces Pavarotti and Friends. And Friends, bien sûr. Mais chanter un opéra, j'aurais voulu évidemment avoir le bis, pratiquement le seul bis de l'Opéra de Paris, c'était dans l'Élixir d'amour avec Una Furtiva Lacrima. Una Furtiva Lacrima. Joli brin de voix. Je n'ai pas eu ce plaisir de l'entendre. En fredonnant sur les plateaux télé, en s'essayant aussi au théâtre pour la bonne cause lors de sa prestation d'un soir aux côtés de Marlène Schiappa ou Myriam El Khomri dans la pièce Les Monologues du Vagin. Non, pas là. Reste à la maison. Quelle audace. Roselyne Bachelot est une femme engagée, une touche à tout, que le grand public n'a jamais vraiment perdu de vue. Souvent décrite en évoquant les couleurs criardes et fluo de ses tailleurs ou de son rouge à lèvres, la ministre a fait un passage remarqué au sein du gouvernement Sarkozy, notamment à la santé, entre 2007 et 2010, où elle se retrouve en première ligne à gérer l'épidémie de grippe aviaire. C'est ainsi que nous enregistrons pour la semaine dernière plus de 700 000 consultations pour grippe. Son combat, la campagne de vaccination à grande échelle. Elle prend le dossier très au sérieux et commande alors 94 millions de doses de vaccins, ce qui à l'époque lui attire les foudres de l'ensemble de la classe politique. Mais aujourd'hui, à la lumière des manquements lors de la gestion de la crise du coronavirus, elle revient, forte de son expérience et avec son franc-parler, devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Elle dresse un bilan peu glorieux de la situation. J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire « Nous n'avions pas de masque dans nos cabinets, mais enfin, des médecins qui n'ont pas de masque dans leur cabinet, qui ne se constituent pas un stock. Qu'est-ce que c'est que cette médecine? On attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé? Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. » Des propos directs, sans détour, quitte à choquer parfois, au moins à bousculer les codes. Elle est incroyable, elle a fait. Un naturel qu'elle ne compte pas vraiment mettre de côté, en renouant avec les arcanes du pouvoir.